viol, action. Et oui, en ce moment, j'y vais. Coucou, la fifi. Fais petit bisou. Oui, je suis dans ma salle à manger, donc c'est pour ça qu'elle vient vous dire bonjour. Enfin, qu'elle vient se montrer surtout. Tu dis bonjour? Regarde, viens dire bonjour. Là, viens. Bonjour. Non, tu veux pas? Je veux pas. Ah, il n'y a pas chat qui est là. Attendez, hop, je vais vous montrer. Hop, non, il se cache. Alors, ouais, j'ai fait un petit passage à Action. Aujourd'hui, enfin j'étais une fois ce matin, et maintenant c'est lui qui pleure pour la vidéo, vous n'allez pas me dire. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Ici. j'y suis allée ce matin, bon, on avait besoin de petites choses, et je suis retournée cet après-midi. À cause de mes petits poilus, parce que j'avais acheté un jouet à Pacha, et puis ça a été la guerre. Pardon. Ça a été la guerre avec Jerry. Enfin, c'est surtout Pacha qui faisait la guerre à Jerry. Donc j'étais racheté un deuxième jouet, et ils étaient en train de déballer des cartons. Et là, mes pattes et fesses à la caméra. Et non, on ne peut pas aboyer. Pacha! Désolée. Donc, bah, je suis revenue pas seulement avec le jouet, mais bon, il n'y a pas grand-chose. Et ce matin, on a été aussi à Trafic. Donc, Trafic, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite solderie. Donc, nous, on a par ici, il y en a quelques-unes un peu donc, dans le coin. Je crois qu'il y en a une au Quénois. Et puis après, je sais plus. Enfin, soit. Et là, je n'ai pris qu'une seule chose. Alors, je cherchais des étiquettes, enfin des rubans en tissu, pour pouvoir mettre sur mes créations. J'ai regardé sur Internet. Mais vous savez, les étiquettes marquées fait main. Et sur Internet, je voulais en faire à mon style. Ça coûtait une fortune. Et donc, bah là, j'ai trouvé ça à Trafic. Donc, vous voyez. Donc, c'est juste marqué FEMA, mais moi, ça me suffit. Ok, petits oiseaux. Voilà. Donc, c'est des rubans de, il y a 2 mètres. Voilà. C'est en tissu. Ça ressemble à du coton. Je ne sais pas s'ils mettent la... Ah, mais c'est fabriqué dans le Nord en plus. Voilà. Hop, je ne sais pas si vous allez voir. C'est fabriqué à Lers, dans le Nord. Donc, Lers, c'est plus du côté de l'île. Non, ils ne disent pas, mais ressemble plus à du coton. Voilà, donc c'est en marron. L'écriture est en marron. Donc, il y a 2 mètres. Donc, j'en ai pris 3. Comme ça, je suis tranquille pour un petit moment. Puis elle m'a dit qu'elle en avait toujours régulièrement, donc ça va. Ça, j'ai payé ça dans les... Là, j'ai pas gardé les tickets, mais je crois que c'est dans les 2,50 euros, je crois, 2,90 euros. Voilà. Alors, ce matin, pourquoi j'y suis... Alors, j'y suis allée une première fois, donc on a acheté un peu... Il me fallait un plat gâteau, parce que maintenant, j'ai Cake Factory. Et en plus des gâteaux individuels, il fait des gâteaux rectangulaires. Il n'y avait pas de plat pour mes gâteaux rectangulaires. Donc, on a été voir pour ça. Donc, bah, attendez, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Je n'ai pas pris ça. Hop, voilà. Je viens de pas être loin de la cuisine. Donc, j'ai pris ça. Voilà. Donc là, j'ai déjà enlevé les étiquettes. Donc,
C'est dans les assiettes blanches, oui. Donc là, c'est un grand plat rectangulaire en faïence. Hein. Et ça, je l'ai payé 3,90 €. Donc ça va. Pour mettre mes gâteaux, ça ira très bien. Donc on avait pris ça, puis on avait pris... mon mari voulait une casquette pour l'hiver, il en avait des celles pour l'été, et maintenant il fait froid. Hein. Donc il en voulait une pour l'hiver, donc on n'a pas trouvé. Et c'est pour ça qu'on a été à Trafic, voilà. Chercher pourquoi on avait été à Trafic, c'était pour lui trouver une casquette. Et donc ce matin, alors j'ai mis du temps avant de me décider, parce que je sais que c'est sorti déjà depuis début septembre, je crois. Puis bon, je me disais, je vais la prendre, je vais pas la prendre, je vais la prendre, je vais pas la prendre. Et dimanche, j'ai regardé des vidéos des filles qui l'avaient déjà acheté. C'est ça. Pacha, il y a maman, par ici, tu vas pas par là. Et puis, ben, je me suis décidée. Donc, voilà. J'ai pris... Fifi, bouge. Allez, bouge tes fesses. Voilà, j'ai pris la machine à folle. J'ai pas encore ouverte. Donc, je ne saurais même pas à vous dire... je sais que dedans, il y a 5 feuilles dorées, 5 feuilles argentées. Alors, attendez, je vais le faire. J'aurais dû prendre un couteau près de moi, mais bon, ça va aller. J'ai un petit peu d'ongle. En ce moment, je suis dans ma période... Tu veux dire bonjour? Il y en a un qui veut dire bonjour. Viens. Il y a maman. Viens. Oh, il commence à être lourd. Voilà. Tu veux dire bonjour? Là. Viens. Bonjour. Bonjour. Là, regarde. On voit pas chat. Allez mon pépère. 9 mois hein, le pépère maintenant. Là il va avoir 10 mois le 5 novembre. Ça commence à venir. Hein. Alors, je vais y arriver. J'ai mis le chauffage là, mais ce soir, mais maintenant il fait chaud. Je crois que je vais baisser après. J'espère que vous m'entendez bien, parce que c'est vrai que le soir, quand je filme comme ça, je ne parle jamais trop fort, parce que mon mari est couché. Alors, c'est tout. Alors, voilà. Mais je pense que vous avez déjà vu les vidéos. Hein. Donc, il y a ça dedans. Donc, j'avais déjà vu les cartes pour commencer à faire les premières cartes folles. La vue folle. Folle. Donc ça sera servira pour faire les essais. Voilà. Celle-ci. Allez, bouge, mes mères. Celle-là. Donc si vous entendez du son, c'est parce qu'il y a ma télé hein, qui fonctionne derrière. Je regarde la France, un incroyable talent. Bon, il n'y a rien d'autre. De toute façon, la télé ce soir. Ça. Ici, des petits cœurs, voilà, celle-ci elle est mignonne, et la dernière, c'est celle-là, Pacha, donc on a les feuilles comme ça, moi bon, je ne vais pas les déballer, hein, mais il y a donc les dorées et les argentées. Après, normalement, il doit y avoir. Normalement, il doit y avoir une feuille. Ou alors, elle est dedans, peut-être. Attendez. Oui, elle est dedans. La feuille classeur pour passer dans la machine. Je ne sais pas où elle est. Ah, elle est là. Ah, bah oui, tout est dedans. Ils ont tout mis dedans. Ça fait électricité statique. Voilà. Il y
Là, du coup, bah voilà, vous voyez quand même les argentés. Et après, bah, il y a la machine. Donc, il faudra que je la dompe avant. Bon, si vous voulez que je fais des essais devant la caméra, j'en ferai. Mais bon, je vais d'abord l'essayer. Hein. Donc, il y a le petit livret d'explication. Donc, je regarderai tout ça bien avant. Je ferai un essai avant de le faire devant vous. Voilà. Je vais garder le ticket de caisse. Donc ça, je l'avais payé. Ben, du coup, j'ai raté la promotion, hein, bien sûr. Et donc là, je l'ai eu à... Ah non, l'assiette était à 3,59. Désolée. Ben non, la machine, elle est où? $14,95. Bon, ça va. Je crois que quand elle était en promo, c'était à $12,95. Bon, là voilà. Voilà la bête. Bon, je suis contente quand même. Bon, malgré que j'ai vu qu'on pouvait en faire aussi avec la plastifieuse. Hein. Mais bon, je me suis dit, tant qu'à faire, vu le prix, je ne vais pas abîmer la plastifieuse. Je vais la prendre. Et puis, on verra. Donc, là, je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui le fonctionnement. Mais bon, vous avez déjà certainement vu... Ouh, je fifi. Vous avez certainement vu déjà des vidéos dessus. Mais donc, je vous ferai certainement une vidéo... juste pour moi faire l'essai et voir ce que ça donne. Et puis peut-être pour celles qui ne connaissent pas quand même, bah, comme ça vous pourrez voir. Donc voilà. Donc, alors par contre, je n'ai pas eu de rouleau de folle, il n'y en avait plus. Donc elle m'a dit qu'elle allait en recevoir. Et là, bon, je fais du bruit. Elle m'a dit qu'elle allait en recevoir. Donc je vais surveiller. Puis là, elle était en train de vider les rolls hein, avec les cartons. Donc elle ne savait pas si elle en avait dessus cet après-midi. Et donc comme moi j'habite juste à côté, j'ai vite fait de m'arrêter, de regarder s'il y en a, s'il y en a ou pas. Sinon je vais à notre action qui est dans une ville à côté, puis je regarderai aussi. Mais bon, dès qu'il y en a, je ferai le plein. Voilà. Ce qui est un peu bête, c'est que je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait un vide atelier et j'en avais du foil en rouleau, en tout ça. Et je vous l'ai revendu. Bah ouais, en fin de compte, ça ne me servait à rien. Je ne savais pas qu'ils allaient sortir la machine après. Mais bon, ça ne fait rien. Alors ensuite... ça c'est pareil, j'avais vu dans les vidéos hein, ça fait un petit moment que c'est sorti et là j'ai vu que le code barre maintenant était barré, donc ils vont l'arrêter. C'est les pastels métalliques, voilà. Alors comment elle se présente? Ouais, c'est juste comme ça, c'est même pas c'est direct, direct dessus, il n'y a même pas de protection. Donc c'est juste les gobelets. Donc ça, on appelle ça les gobelets. Hein. Et, bon. Et ça, je vous ai payé 1,29€. Bon. Je verrai ce que ça donnerait aussi. Bon, malgré que j'ai pas trop le temps en ce moment de faire de l'aquarelle, mais... Comme je vais refaire des cartes là pour les fêtes, je m'en servirai certainement pour ça. Donc là, les couleurs, il y a doré, argenté, vert, bleu, rose, enfin c'est un rose orangé plutôt, et il y a un autre rose qui est plus sur le violet. Voilà. Donc ça, c'était donc... 1,29€.
Et vous voyez, bon, je suis en retard sur les achats par rapport aux autres hein, en ce moment. Alors ça, je ne les avais pas vus. Donc, je ne sais pas si c'est nouveau ou pas. Je n'en ai pas vu dans les vidéos. C'est des stickers mousse. Voilà. Alors, je vais en ouvrir. Je vais en ouvrir un. Donc, le scotch. Donc là, j'ai pris en plusieurs couleurs. Alors, il y avait des. J'ai pris que les alphabets, par contre. J'ai vu qu'il y en avait aussi où c'était des petits objets, des choses comme ça. Mais ça, ça ne m'intéressait pas. Donc, hop. Donc, voilà, de retirer. Il y a des trucs stupides à incroyable talent. J'arrive, hein, j'arrive. J'aurais dû prendre un couteau. Alors, c'est juste pour vous montrer. Je vais y arriver. Ça y est. J'arrive au bout. Voilà. Donc, voilà. Ça se présente comme ça. Bon, je ne sais pas si vous allez bien voir les lettres découpées. Peut-être qu'en doré vous verrez mieux. Bon, je pense pas. Voilà, ouais, là on voit un peu, vous voyez. Donc elles sont autocollantes, puisqu'il y a la protection derrière. Donc là il y a deux feuilles de rouge, deux feuilles de doré. J'ai pris le bleu et le vert. Donc, je vais juste faire comme ça. Donc deux bleus et deux verts. Voilà. Et je pense que en même temps, je pourrais quand même, je pourrais récupérer, parce que vous voyez, en haut des lettres, il restera de la mousse. Donc je vais récupérer les chutes. Ça peut servir aussi. Rien ne se perd. Donc là, c'est toutes les lettres, mais en majuscules. Ici, c'est majuscule et minuscule. Donc, c'est rose et violet. Donc, violet comme ça. Et rose. Bon, à la caméra, ça fait un peu rouge, mais c'est un rose. Après, j'ai pris deux paquets, là, trois même, parce que c'est ce que j'utilise le plus. Donc là, j'en ai pris trois, argenté et doré. Hé ! On ne peut pas aboyer. Désolée. Argenté et doré. Voilà, il y a toujours deux feuilles de plus, de chaque. Donc là, j'en ai pris trois paquets. J'ai pris les trois paquets qui restaient en argenté et doré. Et ça, donc, ça coûte... ça coûte combien? 99 centimes. Bon, ça va. Hein. Et donc, mon dernier achat... C'est au rayon peinture, donc derrière les loisirs créatifs, hein, là où il y a les tableaux, les aquarelles, tout ça. Voilà. J'ai pris, donc voilà, c'est les peintures acryliques en vaporisateur. Donc j'ai pris les quatre couleurs qu'il y avait, enfin les quatre lots. Donc le premier, c'est des roses, voilà. Le deuxième, c'est bleu et un parme. Le troisième, c'est les tons verts. Et le quatrième, donc, c'est le jaune, le orange et le rouge.
Voilà. Donc, pareil, bon, j'ai pas vu, je crois pas avoir vu sur les vidéos de retour, donc je sais pas ce que ça va donner. On verra bien. Je vais en essayer un, là, n'importe lequel, sur une feuille que j'avais préparée. On va voir ce que ça donne. On va secouer avant, je pense qu'il faut secouer. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Les peintures peuvent tacher. Protégez-vous. Alors, les peintures peuvent tacher. Protégez donc toujours les vêtements et la zone de travail. Et en cas de déversement, nettoyez avec de l'eau chaude savonneuse. Conservez dans un endroit frais et sec. Bon, déjà, voilà. Et donc, agitez avant utilisation, mais gardez le bouchon fermé. Ben oui, vaut mieux. Alors, on va essayer. Je vais essayer de ne pas en mettre sur Fifi. Hein. Voilà. Alors, un pchit, ça fait ça. Voilà. Alors, on va essayer de mettre une autre couleur au-dessus, peut-être, pour voir. On va mettre le jaune. Là, pour faire des fonds de cartes, ça peut être pas mal. Ça va. Je n'avais pas mis sur la table, non. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, bien sûr, il faut laisser sécher. Hein. Donc, ça me paraît pas mal. Bon, je les avais déjà, mais de chez Lidl. Je les ai toujours, je crois. Je ne les ai jamais utilisés. Mais Lidl, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Il n'y en avait que 4, les couleurs primaires. Donc, mais là, bon, il y a plus de couleurs. Donc, je pense que je vais pouvoir m'éclater un petit peu plus pour faire des fonds de cartes. Oui, la pleureuse. Enfin, le pleureur. Alors, ces peintures-là, donc spray peinture acrylique, 1,89 € pour un paquet. Voilà. Donc, je sais pas, dites-moi si vous avez déjà ce que je vous ai montré, donc les peintures, les aquarelles, les stickers alphabet en mousse, bon, la machine. Ça, ça m'intéresse de savoir si vous l'avez et ce que vous en pensez. Moi, je vais m'amuser avec là dans la semaine. Puis je vous dis, je ferai une vidéo pour vous dire ce que j'en pense. Voilà. Et pas que je perde mes tickets. Comme ça, bah, je verrai ce que ça donne. Et puis, comment vraiment s'en servir. Est-ce qu'on peut s'en servir avec du tamponnage? Je ne sais pas. Ou alors, est-ce qu'on peut s'en servir qu'avec des choses imprimées? Je ne sais pas. Donc, dites-moi si vous avez déjà utilisé. Voilà, tous les conseils seront bons. Alors, sinon, bah c'est tout. Là, en ce moment, je recartonne. Je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, c'est grand. Hein. Voilà. Une petite commode. Enfin, une commode sur mesure, là. Voilà. Et voilà le dessin. Enfin, le tissu. Et l'autre tissu, c'est, vous voyez, c'est rose avec des petits pois. Voilà. Donc là, elle n'est pas finie, hein, bien sûr. J'ai encore tous les tiroirs à faire. Je dois encore recouvrir l'arrière, le dessous. Puis là, ben, on va faire les... Donc là, il y a 6 tiroirs. Donc j'ai encore les 6 tiroirs à fabriquer. Voilà. Et je vais attaquer donc une autre commande. Que je vais attaquer ici, fin de semaine également. Qui sera dans les tons rose aussi, mais foncé. Voilà.
et la pisserie en taille standard. Donc je vous montrerai tout ça. Là, quand elle sera terminée, je vous la montrerai. Et puis voilà. Alors, je voulais en même profiter en même temps pour dire un petit mot, que j'étais très contente pour le salon. Et surtout très heureuse d'avoir vu pas mal d'entre vous. Des abonnés de YouTube, j'ai vu des filles de Facebook, bien sûr, des amis. Donc je suis très très heureuse de vous avoir tous rencontrés. Et puis la journée s'est quand même très bien passée. C'était mon tout premier salon, donc c'était super. Donc c'est à renouveler, bien sûr, et c'est déjà prévu pour être renouvelé, je vous en avais déjà parlé. Ce sera donc au mois de juin à Mont-Saint-Barœul, mais on en reparlera le moment venu. Je profite également pour vous dire que lors du salon, il y en a certains qui savent déjà, mais lors du salon, j'ai pu approcher trois boutiques de scrap pour leur demander s'ils acceptaient de me donner un petit lot pour le concours que je vais faire là début novembre pour les 3000 abonnés. Donc on y arrive hein, parce que là, l'heure où je vous parle, normalement on est 2903 abonnés. Alors merci beaucoup pour ça aussi et bienvenue à tous les nouveaux, toutes les nouvelles. Et donc on fera le concours certainement. Alors je pense que je ferai pour mon anniversaire. Voilà. Donc à faire. Donc mon anniversaire ce sera le 12 novembre. Donc je pense que je vais essayer de le faire pour ce moment-là, mais bon, je verrai. Je verrai que si je suis pas occupée ce jour-là ou je le filmerai avant de toute façon et je le mettrai en ligne le 12 novembre. Voilà. Oui, donc je vous disais, donc il y a les trois boutiques ont accepté de me donner un lot. Les lots, il y aura, comme je vous avais dit, il y aura un thème scrap. Donc, le thème scrap, il y aura trois gagnants. Ce n'est pas des lots énormes, hein, les filles. Vous attendez pas à avoir des trucs énormes. Mais bon, comme on dit, c'est le geste qui compte. Et puis, c'est le fait de jouer un peu. Donc, il y aura trois gagnantes pour le thème du scrap. Il y aura un thème... le thème sur le diamond painting, donc là c'est moi qui offre, je vais offrir un kit de diamond painting, voilà, je vous dirai le moment venu aussi ce que c'est, moi je le sais déjà puisque je l'ai commandé, voilà, c'est pas un kit qui vient de mes partenaires, des fournisseurs partenaires, hein, que vous avez déjà vu, c'est vraiment un kit que c'est moi qui l'ai acheté, donc voilà. Et le troisième thème, donc ce sera une de mes créations personnelles, voilà, à gagner. Donc le moment du concours, vous pourrez vous inscrire sur les trois thèmes, dire je participe sur le scrap, je participe au diamond painting et je participe à la créa personnelle. Voilà, donc vous serez, il y aura trois tirages au sort. Et puis, voilà. Donc, en tout, il y aura 3, 4, il y aura 5 gagnantes pour le concours. Voilà. Mais bon, on reparlera tout ça le moment venu. Donc, je vous en reparlerai peut-être encore une fois début novembre. Et en même temps, le moment venu, je vous montrerai les lots à gagner que j'ai eu par les boutiques de scrap. Je vous montrerai le kit. Excusez-moi, j'ai vraiment un chat dans la gorge. Et la créa, ma création qui sera à gagner. Voilà. Bon, mais je crois que j'ai assez parlé pour ce soir. Hein, Fifi, on a assez parlé? Oui. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais à tous plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous. Bye, bye. À bientôt. Pour une nouvelle vidéo, je vous vois la vidéo sur le coloriage, la vidéo sur le tuto de la boîte libre. Il est préparé, je n'ai plus qu'à le filmer. Et puis après, on verra. Voilà.
N'hésitez pas, pareil, en commentaire, si vous voulez dévider certaines vidéos, dites-le moi, vous me le dites en commentaire. Voilà, puis je vois si c'est possible de le faire. Allez, bisous, bisous, à plus.